Et donc, on devrait commencer la session agriculture avec Sylvaine Simon. Oui, d'accord, merci. Bonjour à toutes et tous. Et ben, merci beaucoup pour cette invitation donc à parler de notre expérience dans cette journée. Donc, moi, je suis agronome, je travaille à INRAE et travaille beaucoup en agroécologie et en arboriculture fruitière. Et donc, voilà, une brève introduction en 3 minutes hein, pour essayer de partager ben, voilà, toute cette démarche de reconception des espaces de production de fruits sans pesticides en mobilisant la biodiversité. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul, hein, c'est toute une équipe et un ensemble de partenaires. Et donc, déjà, pourquoi s'orienter sur cette thématique? Le constat, c'est que nos vergers actuels, c'est des vergers très hyper spécialisés, très très spécialisés, hein. Tout est organisé pour l'arbre fruitier. Ils sont intensifs et ils sont très largement dépendants de l'utilisation des pesticides. Donc, c'est toute une évolution depuis une cinquantaine d'années qui fait que voilà, les vergers actuels ne peuvent pas produire si on n'utilise pas de pesticides. Et donc, notre démarche a été d'essayer d'explorer comment on pouvait repenser cet espace en le déspécialisant, donc hein, en le diversifiant, pour produire avec la nature. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon renforcer les services écosystémiques, et non plus en se reposant sur des intrants de synthèse ou qui viennent de l'autre bout du monde. Voilà. Donc, comme je vous disais, on ne l'a pas fait tout seul, on a fait cette démarche en co-conception. Et c'est quelque chose qui a changé énormément de choses, parce que ben, on a fait le choix de repartir d'une feuille blanche. L'idée, ce n'était pas d'essayer de diminuer dans les vergers existants. Voilà, on pense qu'il y a des limites, pardon, qu'il y a des limites parce que eh ben, tout est la même variété. C'est des hautes densités, donc il n'y a pas mieux pour la prolifération des épidémies, hein, pour faire court. Et donc, on est reparti d'une feuille blanche, et donc on a voulu créer un espace beaucoup plus diversifié, donc plus complexe. Et cette complexité, pour faire cohabiter tout le monde, ça suppose aussi de faire beaucoup de compromis, et puis des compromis aussi avec nous-mêmes, hein, parce que ben, c'est pas simple de gérer de la complexité. En tout cas, c'était très riche et très intense en connaissances. Et voilà donc ce qu'on a mis en place récemment, hein, donc c'est en 2018. Donc c'est un espace, voilà, le tour fait 500 mètres pour vous situer, dans lequel on a voulu penser avec la nature, dans l'idée de désavantager les ravageurs et les maladies. Donc c'est ce qui va faire qu'on ne va pas produire des fruits. Et donc, on accepte hein, de vivre avec ces ravageurs et ces maladies, mais l'idée, c'est qu'ils fassent peu ou pas de dégâts sur les fruits. Et puis, bah, surtout, d'être très accueillants par rapport à leurs antagonistes, leurs régulateurs naturels. Voilà un petit peu, je n'ai pas le temps de vous le décrire, mais c'est beaucoup plus foisonnant, on va dire, qu'un verger classique. Et on a énormément d'espèces, de variétés et de plantes associées qui vont nous aider donc à accueillir ces régulateurs, hein, ce qu'on appelle les auxiliaires en agronomie, et puis ben, à faire des effets barrières par rapport à ces ravageurs et ces maladies, ou bien d'avoir des plantes beaucoup plus costauds qui se défendent d'elles-mêmes. Voilà, donc on va limiter l'arrivée, limiter l'installation et le développement et la dispersion. Donc voilà, c'est schématisé hein, de manière très simpliste de tous ces ravageurs et maladies. Voilà, et pour finir, bah, ça change, comme je vous disais, beaucoup de choses. Donc, il faut accueillir la biodiversité, il faut accepter, de faire avec, et même à certains moments, de laisser faire.
parce que ces régulations qu'on veut installer, eh ben, il y a toujours parfois une période de transition où elles ne sont pas encore là. Il va falloir quand même accepter la présence de ravageurs pour qu'elles puissent s'installer. En tout cas, ça amène beaucoup de diversité dans les compétences, dans les activités, dans les interactions qu'on peut avoir avec plein de bah, tout un public et puis tout un ensemble de collègues. Et donc, c'est aussi un gros changement de posture, je pense. Mais vous allez en discuter dans la session qui arrive. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvain Simon.